Je m'appelle Eduardo Salazar, je suis producteur de café, je suis la cinquième génération. Et depuis beaucoup d'années, à l'arrière, je travaille dans l'exploitation. J'ai commencé en train de rénover la forêt, de mettre de nouveaux arbres et pour avoir une meilleure production et qualité. Aussi, j'ai commencé à travailler des différents procédés comme le black honey, le naturel, le lavé, le semi-lavé et aussi des différentes variétés comme le pacas, le pacamara, le bourbon orange, le bourbon rouge et vraiment pour avoir un café de spécialité. Et moi, j'avais le rêve d'exporter mon café en France et bon, tout le monde me disait que c'était un rêve un peu fou. Car il y a un océan au milieu, et entre El Salvador et la France, l'océan Atlantique, et c'est un peu compliqué d'envoyer le café à l'autre continent. Mais bon, j'ai eu quelques idées pour le faire. Et j'ai commencé à faire mes prospections à Paris la première année. Et bon, j'ai eu un peu de succès dans ça. Et la deuxième année, je fais une autre exportation, mais je voulais explorer un peu le sud. Dans mes prospections, j'ai vu l'entreprise Vival et bon, j'ai appelé, ils m'ont dit que oui, avec plaisir, je pouvais venir et présenter mes cafés et mes produits. Alors je suis venu et avec ma petite valise, ma torréfacteur et ma Ikawa, et ma Chemex et mon moulin manuel, je fais ma présentation à toute l'équipe Vival. J'ai senti un très grand accueil de la part de l'équipe. J'ai senti vraiment que c'était une entreprise familiale et avec beaucoup de valeurs. Et bon, à la fin, ils m'ont dit qu'ils ont aimé mon café et qu'ils allaient me prendre quelques sacs. L'année suivante, je retournais, j'ai fait ma troisième exportation et je suis venu à Vival et j'ai vendu aussi quelques sacs. Et ça pendant 4 ans. Maintenant, je sens que Vival, c'est part de mon parcours. Et maintenant, je travaille plus proche avec eux. Je suis en train d'apprendre beaucoup d'eux. Et ils sont aussi en train de développer quelque chose dans le contrôle qualité, la torréfaction, et dans la partie d'animation et dans les ventes.